du sentiment et toujours dans la continuité de l'année dernière. Après, on a un groupe qui quand même qui tire entre guillemets la route. Après, on a eu un manque d'agressivité sur nos trois premiers matchs. Le fait que la semaine dernière, sur la première mi-temps, on prend 30 points, on arrive à revenir dans le match, on pensait avoir le bonus défensif, mais on l'a pas eu suite à des mauvais calculs de notre part. Après, non, il faut continuer sur cette envie, mais retrouver plus d'agressivité et plus de combat. Après, on a retrouvé quand même une conquête, et puis les mecs qui sont venus cette année et un peu étoffer le groupe, voilà, il faut qu'ils apprennent aussi à repérer les automatismes qu'on est en train de mettre en place, et ça devrait le faire d'ici quelques matchs. Non, le groupe il évolue très bien. Après, on n'est pas là pour se prendre la tête, nous on est là pour faire notre championnat. Donc on a mis les objectifs de ce qu'on voulait faire. Après, ça va être compliqué parce que la poule est, on va dire, plus compliquée, plus dure que l'année dernière parce que c'est pas du tout le même jeu. Après, ça permet une certaine concurrence quelque part au sein du groupe aussi. Ça permet de tirer le meilleur des joueurs, hein, et puis de tirer ceux qui étaient un peu en dessous vers le haut, quoi. Donc nous on aspire à ça, quoi. Si c'est vraiment d'évoluer, de faire évoluer les joueurs, leur niveau de jeu, et après on prendra plaisir. Bah, la preuve ce soir, il y en a un ce soir, c'est plutôt des matchs, plutôt courir, plutôt avec des consignes très simples de ne pas jouer au pied mais de jouer tout. La semaine prochaine c'est pareil, on fera peut-être une coupure jusqu'à un jour avant Arras. Voilà. On a vu l'année dernière, si on faisait des petits entraînements ludiques, on avait des coups de fil sans arrêt, on ne vient pas, on est blessé, etc. Donc là, on met en place un jeu et un match et une opposition et ça répond très bien. Reprise le 1er novembre contre Arras, vos ambitions pour ce match-là et la suite de votre saison ? L'ambition, de toute façon, l'ambition c'est toujours pareil, de gagner, d'essayer de prendre le point bonus offensif. Après, ce qu'on veut essayer de mettre en place, c'est on va faire jouer la concurrence. Donc, comme on a quand même un effectif de 30 joueurs, donc on va essayer de les piquer un peu plus parce qu'on attend surtout une réaction de notre première mi-temps de Gennevilliers qui était vraiment pas belle. Quoi. Donc, on va essayer de les piquer, de faire jouer les mecs qui n'ont pas automatiquement joué. Et voilà, on va faire jouer la concurrence. Bien sûr, toujours. L'objectif c'est la qualif. On l'a raté les dernières, c'est une saison à regret les dernières et on veut éviter ça. Quoi. Voilà, donc essayer de prendre le maximum de points. Il faut qu'on se règle, qu'on se rassure très vite aussi en début d'année prochaine pour qu'on figure parmi les quatre premiers et qu'il n'y a pas à cravacher jusqu'au bout. Quoi. On va essayer de tout faire pour être dans le quatuor.